Bienvenue à l'émission Crois-tu? Vous avez peut-être déjà vécu ou vous vivez présentement des peurs face à l'inconnu, face même à l'éternité. Notre invité a passé par cette période de vie avec des peurs concernant l'inconnu et son éternité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Tony Bissonnette. Tony, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour Régent, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là. Tu es dans un décor de chaque, tu es où? Je suis dans mon sous-sol, dans la pièce que j'appelle mon shack, justement. Ah, c'est bon. Et t'es natif d'où, mon cher Tony? Je suis né à Shawinigan, en Mauricie, en 1969. Comptez pas, ça fait 52 ans. Merci de nous épargner le calcul. Alors, t'as vécu ça, toi, des peurs concernant l'éternité? Oui, très tôt, j'avais peur de l'éternité, et puis... À un moment donné, je me suis posé des questions puis j'ai eu des réponses. Raconte-nous ça. Oui. Bien, dès mon jeune âge, ma mère m'a toujours enseigné que Dieu existait, que Jésus était là pour moi, que je pouvais lui raconter tout ce que je vivais. Ma mère ne connaissait pas Jésus comme aujourd'hui. Elle faisait partie de la religion populaire, comme un peu tout le monde. Elle m'a enseigné de très bonnes valeurs. Mais... j'avais besoin d'un peu plus à un moment donné. Donc, même si Jésus a toujours fait partie de ma vie, si je peux dire, étant jeune âge, parce que j'ai reçu des bonnes valeurs dans ma famille, il a pris un peu le bord quand je suis arrivé à l'adolescence. Parce que vers l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à découvrir ce que j'appelle les paradis artificiels. Donc, toutes sortes de choses qui viennent combler dans la vie, des fois, des vides qu'on a dedans. Peux-tu nous en énumérer de ces paradis artificiels? Oui, bien, l'alcool, la drogue, les filles, les parties, etc. Donc, je me cherchais un peu là-dedans, je découvrais la vie. Et à cause de ça, bien, comme on dit, Jésus a pris le bord un peu. Là. Il n'était plus vraiment dans mes pensées pour quelques années à ce moment-là. Mais autour de 1988, j'avais 18 ans. Il y a quelqu'un qui est mort dans mon entourage, quelqu'un de proche. Et tout ce que je vivais étant plus jeune m'est revenu en mémoire. Et là, je me suis mis à me reposer des questions. Où est-ce qu'il est allé? Est-ce qu'il est au ciel? Est-ce qu'il est en enfer? Est-ce qu'il est à quelque part où il n'est pas du tout? Je me suis mis à me reposer ces questions-là, mais j'avais un fardeau dans moi. J'avais besoin de réponses. Et plus ça allait... Plus j'avais besoin de réponses, mais je ne savais pas où chercher. Alors, de plus en plus, les paradis artificiels ont pris de la place parce que j'essayais d'étouffer ce sentiment-là en dedans de moi qui me poussait à savoir. J'ai entendu un moment... Tu étais habité par cette peur-là, par ce questionnement-là, au point de vouloir t'étourdir ou engourdir. Oui, bien c'est ça. Et j'ai compris à un moment donné, après avoir entendu une citation... d'un homme qui s'appelait Blaise Pascal, qui a vécu, je crois, au 17e siècle, qui est un philosophe, mathématicien, scientifique, et qui, lui, avait dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. » Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit que c'était probablement ça qui m'arrivait. Je cherchais quelque chose à combler, mais pas par la bonne affaire. Et j'ai compris que probablement que ce Jésus de mon enfance était celui qui pourrait combler ce vide. Un peu comme les jouets d'enfants. Vous savez, quand mes enfants étaient jeunes, vous savez, ce genre de truc, là, on avait une boule ronde, bleue et rouge, et là, il y avait des formes, là, puis il fallait rentrer. Mais si on n'avait pas le bon objet avec la bonne forme, ça ne rentrait pas dedans. Alors, j'ai compris que mes réponses face à l'éternité, face à l'au-delà, c'est Jésus qui m'y donnerait. Mais je ne savais pas pour autant où les trouver encore. Mais... quelques années après, en 1991, je me suis trouvé un emploi dans une usine à Shawinigan, où je vivais. Et quelqu'un, un compagnon de travail, parlait de Dieu, mais d'une façon un peu bizarre. Il parlait de nouvelle naissance, de péché et tout ça. Ça l'a attiré mon attention. Parce que le péché, je me disais, est-ce que ça existe? Et là, il m'a dit que j'étais un pécheur. Et ça, je n'ai pas aimé ça. Parce que je dis, après tout, je ne suis pas un tueur en série. Je n'ai jamais violé personne. Je suis un bon gars, moi, dans la vie. Je ne suis pas un pécheur.
Mais là, il y avait toujours une Bible près de lui. Et là, par la Bible, il m'a montré que oui, j'étais effectivement pécheur. Parce qu'il disait, on est tous dans le même bateau à la base. Ça, je n'ai vraiment pas aimé ça. Ça me dérangeait. Ça me dérangeait parce qu'il m'a dit qu'à cause de mes péchés, je ne pourrais pas connecter avec Dieu d'une certaine façon comme je cherchais. Là. Et, mais j'ai dit, oui, mais si on est tous pécheurs, comment on peut connecter avec Dieu? Et c'est là qu'il m'a parlé de ce que Jésus avait fait à la croix. Et j'ai réalisé que, ben, lui, dans les discussions et avec le temps, j'ai réalisé que ce Jésus que je croyais connaître, je ne le connaissais pas vraiment. Vous savez, des fois, on entend parler d'une personne et on se fait une idée sur elle. Mais tant qu'on ne l'a pas réellement rencontré, on peut être biaisé dans ce qu'on en pense. Et c'est ce qui m'est arrivé parce que pour moi, Jésus était quelqu'un qui était venu fonder une grande religion, la religion de mes parents, de mes grands-parents, etc. Mais de me faire dire qu'il était venu pour moi personnellement, c'était vraiment du nouveau, ça. Alors, il a ouvert mon questionnement, ma recherche de l'éternité a été dirigée autrement suite aux discussions que j'ai eues avec lui. Donc, je me suis acheté une Bible à l'époque, j'ai commencé à la lire et là, j'ai décidé d'arrêter par moi-même de faire ma vie pour devenir encore une meilleure personne pour plaire à Dieu. Donc, oui, on va réfléchir à tout ce qui vient d'être dit. Je m'arrête sur l'aspect qu'il y a de quoi combler chez l'être humain. Hein. Il y a une forme qui est là qu'on essaie de combler, un vide. Et puis, tu apprends que ce vide-là peut être rempli par la personne de Jésus. Et là, tu te mets à chercher ce Jésus. Après la pause, on revient avec toi, ton témoignage. Et comment tu as pu trouver à remplir le vide qui est en toi, cette peur et cette crainte qui te hantait. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croistu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Tony, juste avant la pause, tu me disais que tu étais hanté par l'éternité. Comment tu vivais cette peur, cette crainte-là? Comment ça se manifestait chez toi? Oui, bien, c'était pas mal souvent dans mes pensées. Puis il y a beaucoup de choses qui me ramenaient à cette pensée-là, même si j'essayais de l'étouffer, si on peut dire. Comme par exemple, dans ma famille, dans le temps des fêtes, Noël, le jour de l'an, tout ça, on était une grosse famille, on se réunissait pour fêter ensemble. Et je ne sais pas si c'était comme ça dans ta famille, Réjean, mais... chez nous, là, au jour de l'an, vous savez, il y a toujours les souhaits, quand le décompte arrive, là, 10, 9, 8, etc. Puis là, bonne année, puis là, bon, ça frise partout. Et là, les gens, on se souhaitait, puis, tu sais, je te souhaite du succès dans tes études, je te souhaite ceci, cela. Mais il y avait toujours un souhait qui m'interpellait particulièrement. C'est quand les gens me disaient, je te souhaite le paradis à la fin de tes jours. Pardon? Ça agaçait quelque part, là, ça. Oui, c'était une formule toute faite, mais moi, ça venait me chercher directement parce que le paradis à la fin de mes jours, je le voulais, mais réellement. Le problème, c'est que je ne savais pas comment l'avoir, ni même comment être sûr que je pouvais l'avoir. Et ça, c'était angoissant à quelque part. Donc, j'ai essayé d'avancer comme ça, tant bien que mal, jusqu'à ce que, comme je disais tout à l'heure, je rencontre quelqu'un à l'usine qui m'en parle d'une façon différente. Et là, j'ai dit, je vais essayer de changer ma vie. Je vais m'acheter une Bible, je vais essayer d'être un meilleur gars, arrêter de sacrer, arrêter de boire, etc., etc. Mais ça n'a pas fait long. Comme on dit, la vieille nature revient au galop. Alors, il s'est passé des choses et je suis allé avec ce type-là au lieu où il se rassemblait, dans son église, si on peut dire.
J'étais là un bout de temps, mais à un moment donné, j'ai arrêté. Je suis revenu à ma vie normale, mais beaucoup plus malheureux que je l'étais avant, parce que maintenant, je savais que j'étais un pécheur et que mes péchés me séparaient de Dieu. Parce qu'avant de rencontrer ce gars-là, j'en étais pas sûr. Alors, c'était moins angoissant, mais maintenant, ça l'était. Parce que je connaissais un problème dont je n'avais pas de solution. Et moi, le paradis à la fin de mes jours, je le voulais, mais je ne savais pas comment. Alors, convaincu par la Bible, par la parole que tu lisais? Oui, exactement. Parce que moi, d'aussi loin que je me souvienne, je ne sais pas pourquoi, mais si quelqu'un me disait « c'est écrit dans la Bible », alors je le prenais comme une vérité absolue. Je le croyais absolument. Alors, bon, évidemment, je lisais un peu la Bible, mais je ne la comprenais pas. Mais lui, il avait une facilité à me guider dedans, à me montrer des choses. Il m'avait montré que j'étais un pécheur et que mes péchés me séparaient de Dieu. Et que Jésus était venu pour moi. Mais il manquait un bout. J'étais pas satisfait encore. Ce vide était encore là, ce gouffre était encore là au-dedans de moi. Donc, j'étais peut-être 2 ans après tout ça, après avoir coupé les liens avec ce compagnon de travail-là, 2 ans à retourner à ma vie, mais encore plus malheureux qu'avant. Et là, le Seigneur a mis sur ma route un autre homme pour revenir à la charge. Et puis, lui, il m'en parlait encore, il m'a fait avancer un petit peu plus. Et là, je suis allé à son église avec lui et je me souviendrai toujours la première fois où j'arrive là. Il m'avait dit, lui, va à l'adresse, où est-ce que c'est, puis tout ça. Puis là, j'arrive là, puis là, je mets la main sur la porte, puis est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas, qu'est-ce que je fais? Puis là, ça frappait tout seul, là, tu sais. Mais c'était pas mes poings qui frappaient sur la porte, c'était mes genoux qui se cognaient en l'air. Oui. Les genoux qui se frappaient, bon. C'est ça. Un combat en toi, hein? Oui, parce que je disais, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que je vais être déçu? Est-ce que, bon, 1000 questions. Mais là, j'ai ouvert, puis je me suis dit, tant qu'être rendu là, aussi bien d'y aller. Et puis là, quelqu'un m'a ouvert la porte, mais la réunion était déjà commencée, alors je me suis assis en silence et j'observais. J'observais beaucoup plus que j'entendais ce qui se passait, parce que, bon, j'étais curieux, j'étais nerveux. Par contre, le pasteur, le prédicateur qui était là, qui parlait en avant, a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit, « Jésus est le seul homme de toute l'histoire de l'humanité à être passé 6 fois en jugement. Il est déclaré innocent et pourtant il a quand même été condamné. » Et ça, ça l'a attiré mon attention, mais j'ai dit, « Mais comment on peut faire ça? » Et là, il expliquait que c'était à cause de nos péchés qu'il devait être condamné, etc. Ça m'a amené beaucoup de questions. Et là, moi, j'avais peur de mourir, comme vous savez, parce que je ne savais pas où j'irais après ma mort. Et là, à la fin de cette réunion-là, quelqu'un vient me voir, puis il se présente, et puis il me dit, « Salut, moi, je m'appelle Pierrot. » Il dit, « En passant, toi, sais-tu où est-ce que tu vas aller, mais que tu meurs? » Alors, c'était la dernière affaire que je voulais savoir. Moi, je voulais des réponses, je ne voulais pas encore des peurs, des craintes. Je ne savais pas. Alors, il m'a donné un traité, ce qu'on appelle un traité, un bout de papier sur lequel il était écrit, « Si vous mouriez maintenant, iriez-vous au ciel ou en enfer? » Alors, je suis parti avec ça chez moi et ça m'angoissait beaucoup. Mais là, j'ai dit, il faut que je monte ça à ma blonde, à Nathalie, à l'époque. Mon cher Tony, on va faire le bout de chemin avec toi. On va se rendre après la pause chez toi, puis en train de discuter avec ta blonde, ton ami, concernant cette littérature que tu viens de recevoir de la part des chrétiens qui se trouvaient dans ce lieu de célébration, après la pause. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme crois-tu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs, 20h. Je vous attends grand nombre. Tony, tu as participé, tu as assisté à une célébration
Et puis, chrétienne, et là, à la fin, on va te voir de façon plus personnelle. On te demande si tu es sauvé, tu as l'assurance d'aller au ciel. Et on te remet de la littérature. Tu dis, ben, je vais regarder ça à la maison avec mon ami. Et c'est là qu'on est rendu dans la suite de ton témoignage. Oui, et alors, je me suis dit, il faut que je montre ça à Nathalie. Mais Nathalie, elle ne croyait pas en Dieu. Bon, elle avait une vision de Dieu comme un vieillard avec une longue barbe blanche qui jouait de la harpe sur un nuage et qui s'occupait pas, qui s'intéressait pas vraiment à nous. Et Nathalie pensait ça parce qu'elle, elle est tombée orpheline assez jeune. À 14 ans, elle a perdu sa mère et à l'âge de 21 ans, elle a perdu son père. Alors pour elle, un Dieu d'amour ne pouvait pas lui enlever ses parents. Donc il fallait que je fasse attention pour aborder Nathalie comme ça. Ce traité-là, je l'ai mis sur mon bureau et puis à un moment donné, elle l'a ouvert et elle a lu ça. Et puis sans m'en parler à moi, un dimanche matin, je me prépare pour aller à l'église. Et puis Nathalie, elle s'habille aussi. Et là, elle dit, attends-moi, je vais avec toi ce matin. J'ai dit, non, tu ne peux pas venir avec moi. Moi, je vais à l'église chrétienne ce matin. Elle dit, oui, c'est ça. Je dis, non, tu n'as pas compris, là, je vais là-bas. Parce que moi, je savais qu'elle était réfractaire à ça, mais le Seigneur avait travaillé dans son cœur à mon insu. Et là, elle m'a dit, je veux y aller avec toi ce matin. Alors, tout content, on arrive là. Alors, on assiste et puis là, on rencontre des gens. Et puis Nathalie, elle m'a partagé par la suite que ça l'avait beaucoup frappé de voir comment ces gens-là s'aimaient les uns les autres. Et là, elle disait, toi, est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ta sœur? Et là, je disais, les gens là, lui répondaient, bien, dans le Seigneur, oui, mais pas dans la chair. Et dans l'auto, elle m'a dit, ça m'a beaucoup frappé, ça. Est-ce qu'on peut y retourner? Alors, les semaines, les mois passent et on allait de façon sporadique. Et à un moment donné, je travaillais à l'usine, ce qu'on appelle sur les chiffres, donc les différentes relèves. Et cette semaine-là, je travaillais de nuit, de minuit à 8. Et moi, quand je travaillais de nuit, je ne vivais pas, j'existais. C'était très difficile physiquement. Alors, c'était mon troisième chiffre de nuit. Ça tombait un dimanche matin. Et quand je suis arrivé, je dis à Nathalie, on va-tu à l'église? Elle dit, OK, mais t'es pas trop fatigué. J'ai dit, ça va aller. Alors, on va à l'église. Et puis, après l'assemblée, après la réunion, un couple de l'église nous invite à aller chez eux. Donc, on s'en va là. Ils s'appelaient Gilles et Jenny. Et là, on parlait ensemble et j'arrivais pas à saisir comment me rapprocher de Dieu. Et Gilles me raconte une histoire, celle de Charles Blondin. Ça, c'est une histoire vraie. Vous pouvez voir sur Internet. Et là, il me raconte, il dit, Charles Blondin, c'était un équilibriste. Il marchait sur les fils de fer. Et à son époque, au 19e siècle, il avait dressé un fil de fer au travers des chutes Niagara. Et là, il emmenait du monde et pour le spectacle et tout, là, il dit, il tend son fil de fer et là, il se prépare avec son pied sur le fil et sa grande perche. Et là, il traverse de l'autre côté. Et là, tout le monde applaudit. Et là, rendu de l'autre côté, il dit aux gens, est-ce que vous croyez que je puisse traverser sur le fil de fer? Les gens disent, oui, on vient de te voir. Il dit, OK, mais est-ce que vous croyez que je puisse emmener avec moi quelqu'un de l'autre côté sur mes épaules? Alors, les gens disaient oui, il y en a qui disaient non. Et là, le monsieur près de lui qui disait oui, je le crois, il dit, monsieur, alors embarquez, puis je vais vous amener de l'autre côté. Oh non! Alors, Charles Blondin dit à son manager, Henri, est-ce que toi, Henri, tu crois que je peux t'emmener de l'autre côté? Henri dit oui. Alors, il dit, monte sur mes épaules, confie-moi ta vie, puis je t'emmène de l'autre côté. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, Gilles s'est servi de cette image-là pour me faire comprendre qu'il fallait que je donne vraiment ma vie à Jésus-Christ, sans restriction, que je lui fasse confiance jusqu'au bout pour qu'il m'emmène de l'autre côté. Mais ce n'était pas évident pour moi. Et là, Gilles me dit, tu t'en retournes chez toi, mais si tu as un accident d'auto, que tu meurs, où est-ce que tu vas aller? Au ciel ou en enfer? Ben, j'ai dit, je vais aller au ciel, mais je ne sais pas comment. Ben, il dit, pense à Blondin. Donne-toi Jésus, laisse-le t'emmener de l'autre côté par l'œuvre qu'il a faite à la croix, en mourant à ta place pour tes péchés, en portant sur toi la condamnation. Laisse-le te réconcilier avec Dieu. Alors j'ai dit, OK, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Alors là, je m'en retourne chez moi, et là, je suis dans tous mes états, je pleure et je prie. Et entre-temps, Nathalie, elle, avait donné sa vie à Jésus-Christ. Elle avait donné sa vie à Jésus, et moi... J'y arrivais pas. Alors, je tombe sur mes genoux
Bien, en fait, c'était 3 jours après parce que là, ça faisait 6 jours que je travaillais, mais dans les 3 derniers jours, depuis le fameux dimanche, je n'avais pas dormi, pas mangé et je n'avais fait que pleurer et travailler. J'étais épuisé totalement. Alors, je tombe à genoux à côté de mon lit et je demande à Dieu carrément de m'enlever la vie. J'ai dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas ton salut, si tu ne me donnes pas la paix que je recherche, je préfère mourir parce que de toute façon, si je vais en enfer, aujourd'hui ou dans 20 ans, ça ne change rien. Alors, viens me chercher maintenant. Et là, je pleurais et je priais et je disais à Jésus, pourquoi tu as fait ça pour moi? Je ne le mérite pas. Et c'est comme si dans ma tête, j'avais eu une espèce d'image, là, je ne sais pas comment dire ça, mais je me voyais sur le bord d'un précipice. Et là, j'ai dit, Seigneur, si tu ne m'attrapes pas, si tu ne me sauves pas, moi, je me jette dans le trou. Et là, de l'autre côté, c'est comme si la lumière s'était faite et je voyais Jésus sur la croix avec les bras grands ouverts et qui me disait, Tony, tu ne comprends peut-être pas tout ce que j'ai fait pour toi dans les détails, mais je veux que tu crois une chose. Crois comme un enfant, avec les bras ouverts, il y avait comme ça. Là, il dit, crois comme un enfant que ce que je fais, c'est parce que je t'aime gros comme ça. Et là, je me suis remis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi la vie parce que je ne peux plus vivre ça. Et moi, je me jette dans le trou. Et si tu ne m'attrapes pas, ben tant pis, just too bad. Alors là, j'ai eu l'impression de tomber dans le précipice et là, je me suis endormi. C'était la première fois 3 jours que je dormais. Je me suis endormi chargé. Et quand je me suis réveillé, quelques heures plus tard, je me sentais différent. Parce que j'avais dit à Jésus, juste avant de tomber endormi, « Seigneur, je te veux toi, prends ma vie, prends ma maison, prends ma job, prends tout ce que tu veux, prends-moi, mais Seigneur, je te veux toi. » Et là, je pleurais. Et quand je me suis réveillé, je me sentais différent. On aurait dit que le poids qui pesait sur moi avait disparu. Et là, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et j'avais l'impression que pour la première fois de ma vie, je voyais la lumière du jour. J'avais 28 ans. C'était le 2 mars 1998. Ma vie a été changée. Et j'ai compris par après que quand j'ai demandé à Dieu de m'enlever la vie, il ne l'a pas fait. Il a fait beaucoup mieux que ça. Il m'en a donné une nouvelle. Parce que ma vie n'a plus jamais été la même depuis ce jour. Tony, quelle conversion, quelle conversion. Tu désirais la mort et puis Dieu t'accorde une grâce, une faveur non méritée, la vie et la vie éternelle. Quel équilibriste, quel jongleur, hein? Il a jonglé et tu lui as confié ta vie et il sait justement comment la porter cette vie-là. Et puis l'équilibriste, Jésus qui peut marcher sur les difficultés, les problèmes, sur les épreuves de la vie et te conduire jusqu'à la bonne destination, jusqu'au ciel, jusqu'en la présence de Dieu. Et après la pause, Tony, je te garde parce qu'on a quelques minutes, puis j'aimerais que tu lances un défi à nos téléspectateurs. Après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Tony, tu viens de nous partager une partie de ton histoire, mais quelle partie? Celle où le Seigneur vient te rassurer, te sécuriser concernant ta grande question, tes grandes peurs, concernant l'inconnu, surtout en ce qui a trait ton éternité. Il est venu combler ce besoin. Que dirais-tu aux gens qui t'écoutent présentement? Oui, je veux m'adresser quand même à tout le monde, parce que certains croient en Dieu, certains ne croient pas en Dieu, certains ne savent pas trop, mais dans la parole de Dieu, dans la Bible, Dieu affirme qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est cette pensée-là qui m'a amené, moi, à me poser les vraies questions. Et ici, un auditeur, un téléspectateur ne croit pas en Dieu, dis-toi, réalise que depuis le début de l'humanité, toutes les civilisations ont eu des religions, des dieux en abondance, etc. Ouais. Donc, c'est la preuve qu'il y a quelque chose en nous qui nous force, qui nous pousse à chercher. Et c'est Dieu qui veut qu'on le cherche. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit qu'il va se laisser trouver par nous si on le cherche réellement. Et ça a été mon cas. Et j'ai compris que maintenant, je comprends bien cette citation de Blaise Pascal qui disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu.
Parce qu'il y a juste Dieu qui peut le former, qu'il y a juste Dieu qui peut nous donner la paix face à l'éternité. Et venez à lui, n'hésitez pas, vos craintes, parlez-lui à Dieu. Ce Jésus qui veut être proche de vous, vous pouvez lui dire absolument tout. Racontez-lui vos craintes et cherchez. Ça vaut la peine parce que c'est notre éternité qui en dépend. Jésus est mort pour toi qui m'écoute aujourd'hui. Jésus a donné sa vie pour toi personnellement, même si ça fait 2000 ans. Jésus n'est pas venu pour fonder une grande religion, comme je le pensais, mais Jésus est venu pour te sauver, toi qui m'écoutes. Et si tu cherches, si tu as peur, va à Jésus, laisse-le te donner la réponse, laisse-le te convaincre. Je t'ai raconté mon expérience, mais c'est Jésus qui va te convaincre. Va à lui, n'aie pas peur et cherche. Celui qui a été accusé 6 fois, comme tu l'as si bien dit, puis à chaque fois il a été trouvé innocent, mais on l'a traité comme un coupable, parce qu'il prenait notre place. Nous qui avons défié Dieu, nous qui avons désobéi, nous qui avons fait fi des lois, hein? Et puis c'est lui qui a tout payé, cette dette-là que nous devions envers Dieu. Tu l'as reconnu, tu l'as reçu, tu l'as accueilli comme ton sauveur personnel, et oui, c'est cette façon-là, même si nous sommes des centaines, des milliers à écouter cette émission, il s'adresse à toi, à chacun d'entre nous. Et c'est à toi qui parle présentement, toi qui écoutes cette émission, peut-être d'une façon un peu plus particulière. Alors, et je t'invite à nous écrire, à aller sur la plateforme crois-tu.ca et faire la demande de notre littérature qui doit faire tout à fait gratuitement. On a un passeport pour le ciel. Un passeport, c'est important. Vous voyez, avec tout ce qui se passe dans nos actualités, mais là, un passeport pour le ciel, avoir une entrée en la présence du Dieu saint, du Dieu juste. Alors, comment faire? Eh bien, c'est le questionnement que Tony a eu tout au long de cette émission, qui a trouvé réponse en la personne de Jésus dans la Bible. Alors, on vous conseille de lire la Bible et de faire notre demande de littérature et de contacter les gens qui vont vous répondre à l'autre bout de la ligne, soit par téléphone ou soit par écrit. Alors, service tout à fait gratuit. Tony, je te remercie de ta présence parmi nous. Et surtout d'avoir participé à l'émission Crois-tu. Et je remercie encore les personnes qui ont été à l'écoute de cette émission et je vous encourage à faire un pas de plus que d'écouter, de visionner cette émission et de faire des recherches comme Tony le fait afin de trouver la réponse à vos problèmes. Merci encore une fois d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.